Elle a manifesté sa nouvelle vie après être venue déprogrammer ses mémoires émotionnelles inconscientes qui l'installaient dans un schéma répétitif dans sa relation, ses relations amoureuses. Aujourd'hui, je vous partage donc l'histoire de ma consultante N à travers les lectures akashiques. Vous allez tout savoir après ceci. Je suis Emmanuelle Waraud et je suis harmonithérapeute. J'accompagne les multifacettes d'une femme, c'est-à-dire la femme amoureuse ou la femme mère, la femme intuitive ou la femme entrepreneur, à venir travailler sur ces barrières existentielles qui se jouent généralement avec les mémoires émotionnelles inconscientes, à venir les libérer pour permettre une réalisation de soi, permettre d'avancer sur son chemin, permettre un magnifique accomplissement et atteindre ses objectifs de vie. Voici l'histoire de ma consultante N. Alors ma consultante, elle est venue me voir parce que elle vivait des schémas répétitifs au niveau de ses relations amoureuses. Et du coup, j'ai réalisé sa lecture akashique. Et j'ai été voir s'il y avait une mémoire qui était à l'origine dans sa vie passée. Et il en a révélé une en effet, dans une vie antérieure, une scène à une période bien précise, bien définie, où il y avait l'émotionnel qui était vraiment très très forte, et les mots utilisés ont eu un impact majeur. Dans cette scène, au moment de cette incarnation, elle disait « plus jamais je ne veux vivre cela ». Et ces termes « plus jamais » ont été prononcés avec une telle conviction et une telle intensité qu'elle a elle-même passé un pacte avec elle. Elle a créé un contrat avec elle-même. Et au-delà de ce contrat, en visitant d'autres vies passées, il y a une dette karmique qui a été révélée et un lien karmique. Et donc du coup, à partir de cette mémoire, je lui ai proposé de vivre son processus de guérison, qui était en premier lieu de prendre conscience de cette mémoire, de l'impact des mots utilisés, prendre conscience de tout cela et de l'impact dans sa vie. Et à la suite de cela, on est venu œuvrer sur de la déprogrammation de cette émotion dans la conscience de la lumière. On est venu libérer ces mémoires et on les a mis dans la conscience de la lumière pour apporter vraiment cette lumière, cette vision, ce pardon et apporter à travers le cheminement intérieur la guérison spirituelle. Et à suite de cela, il y a eu le recouvrement d'âme qui a été fait du coup sur toutes les vies antérieures qu'elle a pu vivre, sur les mémoires qui rentraient en résonance avec les mémoires originelles, toutes les mémoires qui rentraient en résonance également dans la lignée, dans le transgénérationnel, également celles qui ont été écrites dans la vie présente de ma consultante N, mais de son passé, et dans tous les futurs potentiels. Donc, tout ce processus de guérison s'est opéré sur toutes les lignes de temps pour permettre cette libération et apporter une nouvelle vision, une nouvelle conscience, le tout dans le pardon et dans l'amour, et inculquer à l'intérieur de soi, à partir d'un rituel, d'une visualisation, ce processus de guérison et cette ouverture vers la libération. À la suite de cela, j'ai été voir les futurs potentiels. J'ai été visiter les différentes lignes de temps pour s'ouvrir vers une plus grande légèreté dans sa prochaine histoire d'amour. Et dans cette ligne de temps, j'ai eu quelques indications, j'ai ressenti la légèreté et je lui ai communiqué à ce moment-là ce qui,
qui en ressortait de cette ligne de temps-ci. Cette ligne de temps-ci, elle était beaucoup plus lumineuse et elle était axée sur une rencontre sans ce schéma répétitif et ce contrat, et le contrat qu'on a pu mettre en évidence juste avant. Comme tout est libre arbitre, j'ai proposé de faire également une lecture des futurs potentiels en fonction des rencontres qu'elle avait déjà faites. Et les rencontres faites avant ce jour, avant sa lecture akashique, avant ce processus de guérison, étaient écrites avec les dettes karmiques et étaient construites dans ses énergies. Donc du coup, je lui ai transmis tous les éléments suite à ces énergies, suite à ces rencontres, et comment cela était inscrit, quelle était la fluidité, quels étaient les échanges, pour qu'elle même puisse s'installer dans son libre arbitre et ce choix d'avancer vers la ligne de temps qui permet justement une meilleure, et un meilleur épanouissement personnel, et qui lui permet de rencontrer l'amour et avancer sur une belle relation amoureuse. Et du coup, on a fait le point ensemble avec ma consultante N il y a 2 semaines pour savoir un petit peu comment les choses ont évolué de son côté. Donc voilà à peu près 3 mois qu'on a réalisé la lecture akashique ensemble. 3 mois, voire même 4 mois. Et du coup, elle m'a annoncé qu'elle a effectivement bien vécu tout ce processus de libération, de processus de guérison, et que elle s'est orientée intérieurement sur vraiment les futurs potentiels qui étaient plus alignés à cette part lumineuse, à une meilleure relation amoureuse. Et il s'avère que elle a ouvert ce champ des possibles avec tout ce processus de guérison, et elle a rencontré quelqu'un où la relation elle est beaucoup plus fluide, où il y a vraiment une amélioration et surtout une disparition de ce processus répétitif dans lequel elle s'était installée avec ce contrat et ses dettes karmiques. Au moment où elle m'a annoncé cela, ça faisait 2 mois qu'elle était avec cette personne. Elle a attendu également la confirmation intérieure pour dire qu'elle était vraiment installée dans cette belle ligne de temps, et les choses se sont présentées ainsi. Elle a pu donc réussir à guérir spirituellement et mettre fin, déprogrammer ce contrat, ce lien karmique, ces dettes karmiques qu'elle avait à ce moment-là, avec son processus de guérison. Et elle a pu choisir par elle-même la ligne de temps qui la correspondait le mieux dans ses choix, dans ce qu'elle avait envie de vivre, et en fonction également de ce qu'elle a entrepris intérieurement pour venir guérir ce qui avait besoin d'être guéri. Et aujourd'hui, elle avance sur son chemin d'épanouissement dans sa relation amoureuse. Merci à toi, ma consultante N, pour m'avoir autorisé à partager ton histoire. Et je te souhaite une belle continuation dans le chemin de la lumière, dans cette belle relation amoureuse.